c'est très loin. Madame Véronique Louwagie. Merci madame la présidente. L'article 3 vise un encadrement des loyers dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants où le marché de la location est tendu. Un loyer médian serait retenu pour ces zones. Quel sera l'impact pour les locataires de la fixation d'un tel loyer médian, puisqu'effectivement c'est là la question cruciale. Certes, l'impossibilité pour le propriétaire de fixer un loyer au mètre carré au-dessus de 120% du loyer médian au mètre carré relevé par l'Observatoire local des loyers aura un impact sur ses locataires. Mais également, le risque, et un risque important, d'entraîner une augmentation des loyers qui sont en dessous du loyer médian de référence. Donc des conséquences d'évolution à la hausse de la moitié des loyers et pratiquement qui concernent le plus souvent des familles fragiles, des locataires avec des ressources modestes. Donc finalement, un système contre-productif. Quel sera l'impact pour les propriétaires d'une telle mesure? Probablement un dispositif de découragement des propriétaires et des investisseurs. Également un risque de dégradation des locaux au regard de l'expérience tirée du blocage des loyers résultant de la loi de 1948, où on l'a vu, les propriétaires n'ont pas du tout été incités à faire des travaux d'amélioration et un certain nombre de locaux se sont retrouvés dans des situations très dégradées, très vétustes. Par ailleurs, l'article 3 donne la possibilité aux bailleurs de proposer un complément de loyer exceptionnel au loyer de base pour les logements qui le justifient et introduit également une possibilité de contestation. Or, cette possibilité pour le locataire de contester ce complément de loyer dans les 3 mois de la signature du bail introduit une véritable incertitude juridique qui est inacceptable pour le bailleur, qui ne pourra avoir la certitude que le loyer contractuel sera payé alors qu'il a été accepté par le locataire à la signature du contrat. Cette possibilité de contestation n'est pas admissible et va contribuer à voir les investisseurs se détourner durablement du secteur de l'immobilier résidentiel. Si l'encadrement des loyers est la solution miracle, pourquoi le gouvernement Jospin n'a pas poursuivi le dispositif d'encadrement des loyers prévu par la loi de 1989, loi Mermaz? Je crois qu'on peut véritablement se poser la question. La vraie réponse, madame la ministre, au problème du logement serait d'accroître le nombre de logements et le parc privé peut contribuer à répondre à cette offre. Mais finalement, cet article 3 ne favorisera pas du tout le développement du parc privé et découragera l'investissement dans la pierre et tout ceci au détriment des locataires. Merci madame, mes chers collègues. Prochaine séance demain 9h30, suite du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. La séance est levée.